Écoutez bien, je vous donnerai tous les conseils pour réussir votre côte de bœuf à la perfection. J'ai promis de vous donner le secret de la côte de bœuf. Ma côte de bœuf. Trois vraiment pièces importantes. Donc on va les huiler légèrement. On les tourne, qu'elles soient un peu huilées des deux côtés. Ah. J'assaisonne toujours avant. Généreux parce que les pièces sont conséquentes. Poivre du moulin, sel. On ne va pas les manger avant 1h-21h15. Donc là, pour l'instant, je vais juste les griller, les marquer de chaque côté pour qu'elles soient prêtes à enfourner. Quand je les mettrai dans le four tout à l'heure, je les mettrai comme ça, debout. Un four très chaud. Parce que si je les appuie d'un côté comme ça, évidemment, le côté qui est en dessous, le côté qui est au-dessus, selon que le four soit réglé plus ou moins bien, cuit plus vite. Alors que là, et les deux côtés cuisent en même temps. Four à chaleur tournante, évidemment. Oh, magnifique pièce, elles sont splendides. Je fais au grill parce que c'est plus pratique. On est dehors, voilà. On peut le faire à la poêle, 3 minutes de chaque côté. J'ai une poêle très chaude avec un tout petit peu d'huile dedans. L'huile bien chaud. Voilà. Petite astuce, c'est pour les maintenir droites, parce que sinon elles ne sont pas stables. J'ai glissé une petite brochette en bois, c'est pour les tenir comme ça, solidaires. Ça pendant 15 minutes, peut-être 18 compte tenu de l'importance des pièces. Four bien bien chaud, 250, et vous les sortez, vous les servez tout de suite, pas de problème. On va compter 17 minutes. Ils sont parfaits de la côte de bœuf par le chef Vigato. Bravo! Seulement des amateurs de viande saignante. Si on l'aime un petit peu plus cuite, on la met 2 minutes de plus, c'est ça? Bah oui. Ouais. Non, extraordinaire. Exceptionnel.